Alors, mesdames et messieurs, dans le dernier épisode, nous avions enfin réussi à éliminer tous les méchants sorciers de ce monde et on a fini l'histoire principale du jeu. Purée, j'ai acheté ce jeu, je l'ai toujours pas fait. Ah bah, en même temps là, je peux pas te spoiler trop l'histoire principale. Simplement, eh bien, notre aventure ne s'arrête pas là, déjà parce que bah, il reste pas mal de choses à faire dans le jeu. C'est vrai qu'à l'origine, quand j'avais lancé le jeu, moi j'étais dans l'optique de faire un 100%. 100%, ça veut dire compléter ici tous les défis. Je pense pas que je ferai du 100%. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'agresser toutes les araignées du jeu. Voilà, vraiment, ça me... Voilà. Par contre, j'aimerais au moins qu'on puisse faire globalement toutes les quêtes... D'ailleurs, je peux récupérer ça. Toutes les quêtes au moins secondaires, afin d'avoir toutes les petites histoires et les petites subtilités. Regardez, on est à 11 sur 32 du coup, donc il nous en reste quelques-unes à faire. Voilà. Parmi ces quêtes, on devra notamment se préparer pour nos buses. Donc trop bien. On conclura par ça. Et là où on s'est arrêté dans le dernier épisode, on était à essayer de résoudre... Alors, je pense pas que ça fasse partie d'une quête, accessoirement. Mais on était passé par là. Et on avait vu des portes avec des symboles bizarres et on s'est dit, vas-y, go les ouvrir. Elle est plus là, la porte? Elle était là, la porte. D'ailleurs, je crois pas qu'on l'avait ouverte, celle-ci. Regardez, il y a un symbole, genre, en hibou. Où il y a l'air d'avoir une mécanique rythmique. Et on avait trouvé que c'était lié à l'horloge. Globalement, quoi. Donc il faudrait que j'arrive à arrêter l'horloge. C'est l'un des mystères de Poudlard. Est-ce qu'il faut que je me rapproche? Faut que j'arrive à l'arrêter quand elle est là, quoi. Genre là, c'est parfait, là, c'est nickel. Nickel! Ah mince, un coffre... Faut se mettre invisible. Ah mais du coup, il m'a vu. Il faut que je sorte sans qu'il me voie. Que je revienne. Pour pouvoir l'ouvrir. Très bien. Il y avait juste de l'argent, rien d'autre? Ah ok. Oh non mais par contre, les objets de torture dans Poudlard... C'est pour les élèves passage, ça. Le 100% épreuve de Merlin, quel enfer. Ah, est-ce que j'irai chercher le 100% des épreuves de Merlin? Je sais pas, j'avoue. En tout cas, voilà. Et j'en avais déduit qu'il y avait probablement une troisième porte, parce qu'il y a trois... tu vois, on avait fait là, cette ligne-là, on a fait. Cette ligne-là, on a fait aussi, donc il doit y avoir un troisième truc. Et je suppute qu'il est tout en bas. Des bonnes vieilles punitions pour les élèves. Insupportable. Et d'ailleurs, sur notre chemin, nous avions aussi trouvé le dernier jeton. C'est pas là où on faisait... What? Alors je ne sais pas ce que ça ouvre, mais il y a trois symboles. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Là je suis descendue de là. Est-ce qu'il y a une autre porte? Non, il y a juste ça. Oh. C'est là où on s'était entraîné au combat, non? Les gris, ça... Ah là, alors là, il y a une autre porte. Là, il y a un coffre aussi, avec des gants. C'est quoi? C'est une licorne? Ouais, le duel, exactement. Ah, bah les symboles sur le sol. C'est justement parce qu'il n'y a pas de ligne en bas. Je pense que c'est ça, la licorne. Attends. Il y a un autre symbole, là. Pas du tout, c'est ça!
Ok, faut que je l'arrête ici. Oh, non, c'est pas fou. C'est pas au max. Ah si, ça compte. My bad, j'ai rien dit. Et tada ! Ah super. J'ai trouvé de la boue. Ça me déverrouille même pas un succès, histoire de dire que c'est je suis trop forte. Parce qu'on m'avait vendu ça comme un des mystères de Poudlard, mais il y a quelque chose que j'ai pas fait du coup. Super, donc j'ai fait tout ça pour de la boue, ce que vous êtes en train de me dire. Oh bah génial. Rébellion. Je vois que ça, hein. Oh. Oh. Allô, Mora. Une pièce secrète. J'ai même pas vu de demi-guise. Est-ce que ça valait vraiment le coup finalement? Lumos. Ouais, ça ressemble à l'extérieur ça. Vas-y, fais voir. Est-ce qu'il y a une porte pour sortir de là et qui m'amènerait dehors? Ouais, ça y ressemble ça. Ça y ressemble, mais ah là là, on est perdu, hein. Oh. Hein ? Quoi ? Non ! Attendez ! Oh mais en plus, je suis déjà venue. Rébellion. Oh vraiment, ça sert à rien. C'est pas le portrait où va se réfugier la grosse dame, là, l'hippopotame? Si, si, c'est là où on la retrouve quand elle a disparu. MDR, trop bien. Bon, en tout cas, j'étais pas sur le bon extérieur, si sur l'extérieur j'étais. Peut-être de l'autre côté, alors? Ah, mais par là. Ah, mais oui. Lumos. Alors. Il est là. Je l'ai. C'est beau, hein. Eh mais regardez, il y a quatre portes. Mais est-ce que c'est quatre portes en lien avec les quatre maisons ou... C'est juste que le mystère de l'ouverture des portes, il y en a quatre. Est-ce que je serais passée à côté d'un symbole d'horloge? Ah. Et bah vu comme ça, moi j'interprète quatre trucs d'horloge à faire. Et j'en ai fait que trois. Il y a un... 2 3 pourtant. Licorne, hibou. Les deux têtes et le zigouigoui, ça c'était le premier symbole. Les deux têtes Il y a une autre porte quelque part. Moi, j'ai fait trois portes.
À mon avis, il y en a 4. Ou peut-être la dernière. Et regardez, là, il n'y a qu'un symbole aussi. Et la licorne et le hibou, ça, c'était ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça, c'était le truc du haut. Il doit y avoir une porte intermédiaire que j'ai ratée. Je pars la chercher. Est-ce que d'ailleurs... ce symbole... oui, il existe ici. Est-ce qu'il y a une autre porte? Ou c'est juste parce que ces quatre symboles existent? Non, je suis sûre qu'il y a quatre portes. Voilà. J'ai une conviction personnelle. Visiblement, une fois que ces portes sont ouvertes, il n'y a plus de mécanisme. J'entends plus. Est-ce qu'il faut se laisser guider au bruit de la porte? Tendez l'oreille! Oui! Ah, les deux têtes, je vous avais bien dit! Raté! Mais... flûte, il faut que je descende en étage pour l'arrêter peut-être. Ah, il y a bel et bien quatre portes. Quel esprit aiguisé. Raté encore! Là, c'est bon! Vite, non, remonte! Ah, elle rate la porte. Alors là, nous allons déverrouiller le secret de Poudlard. Incroyable! Oui! Le secret de Poudlard! Ah, c'est un défi réussi, messieurs, dames. Poudlard n'a plus de secret pour moi. Moi, je tiens à vous le dire. Le succès, quoi. Le succès. Incre. Ah, je suis contente. Sont où les mystères de Poudlard? Bim, boum. Ah, mais non, mais il y en a encore un. Ah. Ah. Le maillot de bain de chercheur de secret, pardon. J'ai cette tenue. Ah oui? Attendez. Je vais mettre mon meilleur maillot alors. Parce que du coup, il y a l'horloge, il y a le pont. Ça, c'est un secret aussi. C'est quoi l'autre secret? On est d'accord que c'est un ensemble, le maillot de bain. Mais c'est un ensemble cosmétique, Nao. Donc c'est un ensemble comme ça alors. Mon petit maillot de bain, là! Je le vois pas. Tenue celtique! Ah, normalement, c'est ça que je suis censée mettre. La tenue d'Hérodiana. Oh, c'est joli aussi. Mais c'est toujours pas mon maillot de bain. Il est où, mon maillot de bain? J'ai des pyjamas, mais j'ai pas mon maillot de bain. Un peu trop déterminée à mettre mon maillot, moi, faire ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? À part l'ensemble, je vois pas. Hein. C'est forcément ça. Ah, il est là! Oh, c'est très mimes. Maillot de bain de chercheur de secrets. Oh, mais c'est un maillot de bain des années, bref. Écoutez, des fois que le secret suivant soit dans la mer, je pense qu'il faut qu'on mette notre maillot. Je sais pas ce que vous en dites, mais... et puis ça pour Halloween, bien entendu, ça fait trop peur, c'est horrible. Bah c'est pour la saison...
Bon, restons comme ça. C'est nickel, vraiment rien à dire. Mais du coup, trop marrant, il nous manque un secret de Poudlard. D'accord. Par contre, j'ai réussi. Alors, on avait trouvé la toute dernière armoire. Normalement, j'ai tous les jetons pour ouvrir enfin le coffre de ma maison. C'est à côté de la grande salle, moi, normalement. Non ? Genre là. Salle commune de pauvre souffle. Allez, go. Vraiment, vraiment, cette salle commune est incroyable. Normalement, il y a un coffre. Alors, de quel côté ? Non, là, c'est les chambres. Donc, ça sera plutôt par là-bas. Il me semble que c'est sur la route de la sortie. Par contre, on peut pas courir, la mollesse. Moi, je connais un secret à Poudlard qu'on n'a pas vu, c'est la chambre des secrets. Est-ce qu'on peut... Non, mais là, si je vais par là, je sors. C'est pas le but. Il est où, ce coffre ? Entre les mains des familles de sang pur. Hein ? Comme les Blacks. Comme le dit ma mère, personne ne voudrait être dirigé par des racailles. Mais je pardon, mais on est à pauvre souffle ou à Serpentard ici ? Je suis ravie qu'un Serpentard soit en charge de l'école. Il sera mais la meuf, elle s'est gourée de maison ! Bon, où est ce coffre ? La racaille. Non mais... Non mais on est... Ah, le voilà ! On est chez Pouf Souffle ici, tu sais, la meuf, elle s'est perdue. Ah bah oui, on y va. Le défi des clés du dédale se déroule bien. Ah bah oui, meuf, tu les as tous. Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. Il va y avoir une bouse dans ce coffre, je sais pas pourquoi, je... Bref, j'ai peur d'être déçue. Écoutez, n'ayons pas d'attente, comme ça, pas de déception. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Et le dernier, messieurs, dames ! Ta-da-da-da-da ! Ça y est, c'est le dernier jeton. Il est temps de voir ce qui se cache dans le coffre. Eh bien, incroyable! Un grand merci à Eupraxia Moll, l'ancienne directrice. Une cape! Wouhou! Bah, on va la mettre, hein! Non, parce que du coup. En vrai, elle est stylée. En vrai! Voilà, t'as plutôt intérêt d'être fier de ta maison parce que... Voilà. Écoutez. Voilà. J'ai essayé de dire à Ekat que quelqu'un... Voilà, voilà, voilà. Oui, elle brille, elle brille, elle est holographique. Bon. Un secret encore se cache à Poudlard. Qu'est-ce que ça peut être ? On a fait l'horloge, on a fait le pont. Est-ce qu'il y a un truc obvious qu'on a absolument raté ? Allons nous promener du côté de l'annexe de la bibliothèque. Parce que regardez là, j'ai des points que j'ai pas. Ah mais c'est des quoi ? C'est des... Ah non mais c'est salle de l'énigme répulsion, mais j'ai fait ça. Il y a quelqu'un à aider en plus. Allons-y. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu le secret de l'horloge, j'ai eu le secret du pont, mais il reste un secret. Dans Poudlard. Non, la meuf, hein. On dirait que je fais de la propagande. Rejoignez Pouf Souffle, c'est la meilleure maison. Ah, c'est toi. Juste, mon frère va mieux grâce à toi. Et il m'écoute désormais. Il semblerait qu'avoir des betteraves à la place des pieds remette les idées en place.
Je suis pas au courant de cette affaire, qu'est-ce que c'est que ça encore? Samantha, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. C'est mon frère, William. Celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Je croyais que tout allait bien il y a deux secondes! Il a été maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. D'accord. Il ne m'écoute jamais, de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit exactement? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betteraves. Non mais la meuf, elle m'avait déjà dit en mode je l'ai aidé alors que je l'ai pas aidé. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Ça me bouffe les pieds. Mais c'est affreux. Oh, je suis désolée. C'est une situation vraiment éprouvante. Je suis contente que tu comprennes. Les autres n'ont aucune empathie. Ils ne font que rire et se moquer comme si ce n'était qu'une blague. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale. Et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats. Comme si c'était possible. Lol. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau et pouf! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. Mérité. Bah, il a besoin d'aide. C'est affreux. Je comprends que tu sois bouleversée. Il a vraiment besoin d'aide. Exactement. Il est indécrottable, mais il reste mon frère. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Est-il possible de briser le sort? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. C'était un petit peu la malédiction de Toutankhamon, quoi. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolar et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Mais attendez, c'est trop beau, j'ai un blaireau en paillettes. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Alors, tu veux bien nous aider? Allez. Je peux remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke. Oh, merci! Merci infiniment! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. Mais du coup, c'est pas d'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgarel. Mais c'est si simple, pourquoi est-ce que tu vas pas le faire? Merci de ton aide. Ma famille a une dette en Revelio. Insupportable, ces gens. Oh. Non, mais c'est le couloir secret, on est déjà venu là, non? Je dois trouver le tombeau près de Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage à l'intérieur. Non, mais là, je suis en train de chercher des secrets de Poudlard, hein. Revelio. Je révélio à tout va. C'est joli hein, ici, hein, franchement. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a un coffre là-dessous, hein. Je sais pas comment on y va, mais... Comment on y va? Ben, peut-être par le passage secret sous le truc, finalement. Et si finalement c'était par là depuis le début? Ah, là il y a un truc aussi. Un coffre. Ça c'est la salle de cours. Franchement, je pense bien que ça pourrait être ça. Je vais descendre dans le passage secret. Oh, c'est... Revelio. C'était là. Revelio.
Oui, c'est là où on est venu chercher la... Je sais plus comment ça s'appelait. La tentacula vénéneuse. Ça s'allume pas les lumières. Ah bon? J'étais peut-être un peu trop loin. Alors, le coffre est par là ou pas? Confringo. Moi, je suis juste venue pour le coffre, potentiellement. Hein. Il y a un coffre, mais il est plus haut. Ouais. Lumos. Il est dans un... Il est là! Ah. Je suis censée pouvoir monter ici? Non. Peut-être je peux l'attirer? Action! Putain mais... C'est fou d'être doué de magie et de pas pouvoir attraper un coffre, vous voyez ce que je veux dire? Lumos. À gauche, les escaliers. Des escaliers ici? On doit pouvoir sauter de là à là, peut-être qu'il faut continuer ici. Hop. Ah, bah voilà. Alors, allumons le feu. Confine-toi. Allumez le feu. Je saute. Et voilà, tout ça pour des lunettes de soleil. Non mais on est ravis. Oui, c'est la merde. Hein. Je repars par où je suis venue. Voilà, bah j'ai ce coffre hein, pour ce que ça m'avance. C'était pas le secret de Poudlard, je crois pas. Il fait nuit. On a passé la nuit là-dedans, génial. Nouveau sur le blason de Marmaduke ? Non. Je suis occupée à... je sais pas comment elle s'appelle. Je suis très occupée. Réveillon. Je dois faire des réveillons dans tout le château. Voilà ce que je dois faire. Attends mais... Je ne sais pas sortir d'ici. Ah, c'est gênant par contre. Ah voilà! Ah, je suis sortie. Ah! Allô, Omora. Donc vous me dites que vous avez pas trouvé quel était le troisième secret de Poudlard? Ça me donne encore plus envie de le trouver. Encore des lunettes de soleil, vraiment. Ah, attends, comment on fait ça déjà? C'est Levioso, je crois. Levioso. Hop. Une page. Et sur la carte, c'est pas marqué qu'il y a un secret là, dans ce secteur, à tout hasard. Non, pas vraiment. Je
Je vois juste qu'il me manque un maximum de choses, mais à part ça. Revelio. Et ce n'est pas mieux que tes garçons. Comment ça? Ça m'intéresse leur conversation. Que je dors mal. L'oreiller de ma chambre me manque. Quoi? Il y a rien de mal à ça. Waouh, c'est joli ce plafond là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis déjà venue. Oh, je suis déjà venue. Bah bien sûr, je suis grave une commère. Ah oui, on les connaît celles-là, c'est celles qui se tapent sur la gueule. Oh. Mais elle remet ça. Mais arrêtez, pas de violence conjugale. Oh non, j'y paye pas. Réveillon. Et s'il y avait un secret avec les tabliers? Non, les sabliers. Les tabliers, MDR, j'ai plus parlé, vraiment. Dans la grande Pourquoi salle. Pourquoi les élèves s'enfuient quand Pips fait des plaisanteries? Oh. Quoi? Finité. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Ah, c'est Méduse! Ah, d'où le fait que je me change en pierre! Ah, c'est drôle, tiens! Ça m'apprendra à être trop curieuse. Je l'avais pas vu, ça, encore. Et vraiment, ce couloir, ça me dit rien. Une demi-guise! Ah non, c'est pas du tout. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, ah, si Guise. Mais quoi, c'est là, c'est... Oh, on est dans un truc d'apothicaire. Je peux pas prendre parce qu'il considère que c'est... Mais c'est la nuit là, non? Allez, c'est peut-être le petit jour. Voilà une lune. Donc je confirme que je pense que je suis jamais venue là. Mais pourtant on a fait ça. Ah oui non, j'étais juste passée à côté du truc hein. Réveillon. Non mais les tentures qui font flipper. Non, j'ai pas un Halo Mora 3 encore, pas du tout. Il me manque vraiment full 2010 hein. Bon, en vrai, il pourrait y avoir un secret dans la grande salle. Je trouve que ça s'y prête plutôt pas mal. Mais là, on est près du cours de potions, non? C'est pas la salle du cours de potions, ça? Ah! Quoi? Il y a eu un bruit bizarre. Revelio. Non? C'est la dernière fois que j'oublie de noter l'une... On n'est pas du tout près du cours de potions, du coup. Mais vas-y, NP. C'est la bibliothèque, ça, non? Ouais, la bibliothèque. Il pourrait y avoir un secret ici aussi. En vrai.
Alors déjà, il y a un coffre. Réveillio. Comment je passe là-dedans? Faut éteindre le feu. Il y a des fantômes qui font de l'escrime derrière ce mur. Non mais... Allô? Allô? Il y a un truc à pousser, il y a un feu à éteindre. Ce que t'es en train de penser, Mavis, c'est que sans le Halo Mora 3, je peux peut-être pas avoir le secret, le dernier secret de Poudlard. Par contre, ça, c'est agaçant, hein. Comment je passe de l'autre côté? Réveillon. Il y a une porte qui doit pouvoir se faire, hein. À défaut de passer dans la cheminée, tu vois. Oui. Alors attendez, je réfléchis. Soit on peut éteindre le feu. Éteindre le feu par le feu. Réveillon. J'ai pas de sort d'eau pour éteindre le feu. Moi, je peux que les allumer. Sauf si je fais Glacius, peut-être. Glacius. Sur le feu, bien sûr. Ah bah voilà. Tout simplement. Ah, tout simplement. Réveillon. Ok. Là, t'es tranquille dans la bibliothèque, en vrai. Hein. Personne vient t'emmerder. Alors, sans spoiler, apparemment, cette dernière a une porte fermée, mais je sais pas... avec cet endroit horrible. Quel niveau d'Halo Mora? Tu vas voir que ça va être le troisième, et du coup, je vais devoir chercher les demi-guises de par le monde. Il y a un autre coffre ici. Je fais le tour de la bibliothèque, hein, quitte à être là. Hein? J'ai entendu un truc... C'est de l'argent en bas, je crois. Ok. C'est bon, je sais quel est le dernier secret. Est-ce que je chauffe mes vies? Ah! Ah, mais c'est des elfes des maisons! C'est ça qui fait ce bruit-là! Tout à l'heure, c'était ça le bruit aussi. Alors, je suis très loin, d'accord. Donc, c'est pas dans la bibliothèque. Je rentre dans la réserve comme dans un moulin, du coup. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais moi et mon sens de l'orientation... Je vais partir au principe que c'était pas dans la bibliothèque. Ah, mais c'est le bureau. Quelqu'un a pénétré la réserve, le mot. Bah, je pense que c'est moi. C'est un lieu spécifique, sans en dire plus. Ça ne m'aide pas du tout, hein, mais vite, tu sais. Tout à Poudlard est spécifique, non? Non? Réveillon. Pour moi,
Je n'y suis allée qu'une fois. Oui, navré, c'était le Switch parce que du coup on est sur la box Bouygues, donc on a les crash Bouygues. Mais comme j'ai pas du tout Orange, bah on est obligé d'attendre que Bouygues veuille bien revenir, quoi. Je suis heureux, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Oui, donc j'étais en train de dire que je pensais au bureau du professeur, j'allais dire Dumbledore, mais... Il me semble que c'est quelque part... Il y a la cour carrée et il me semble qu'on y pénètre par la cour carrée. Oh, où est-ce que je suis partie? Aucune idée. Oh, c'est la Dame Grise? Oh oui! Réveillio. Madame, votre couronne est un encre... Non, pas encore, je me trompe. Bon, alors attendez, parce qu'on est perdu. J'étais pas dans la cour, là? Oh, mon sens de l'orientation! En vrai, je suis là. Je suis donc pas loin du tout. Il faut juste que je trouve la bonne porte. Si tu récupères la couronne maintenant, tu lui évites de devenir un Horcrux. C'est vrai! Alors, on est dehors, mais on n'est pas du tout à l'endroit que j'avais visé. Elle est où cette cour alors? On est là. Gna gna gna. C'est à ma droite! Genre par ici! Mais tu sais que je pense que premier degré IRL, si j'avais cours à Poudlard, je serais tout aussi perdue. Voilà. On veut aller en cours et on se retrouve en cours d'histoire de la magie. Je veux aller dehors! Oui, c'est cette cour-là que je visais. Cette cour-là, il me semble... C'est pas par là qu'il y a la statue du truc pour monter... Genre là, là. Dans un des coins. Oh non. C'est une fontaine, tout ce qu'il y a de classique. Mais si, il y a l'oiseau qui tourne avec ses ailes, là. Non? Qu'est-ce qu'elle attend là, elle, déjà? J'ai oublié. Alors... Oh, bordel, mais comment on va faire? Oh, moi, je sais pas où c'est, hein. Alors peut-être. Il n'y a pas de cheminée. Oh, attendez, une serrure de niveau 1. Allô, Mora. Ça coûte rien de l'ouvrir vu qu'on passe par là. Je vais regarder sur la carte.
Ok. Les vieux sauts. C'est vraiment juste des réserves pour dire qu'il y a des réserves. Réveillon. C'est des petits coffres. C'est vraiment pour dire que je suis passée dans les passages secrets, quoi. Même pas une demi-guise, tu parles. Bon, je pensais naïvement que c'était dans cette cour-là. Mais peut-être c'est ailleurs, alors. Examinons Poudlard un peu plus près. Ah, ça sera là. Là, il y a un truc, on peut faire le tour aussi. Je pense que ça va être plutôt ici. Non. La cour du viaduc. Est-ce que c'est la cour du viaduc ? Voilà, pas du tout, pas du tout. En plus, ça, c'est pour aller au port. Qu'est-ce qu'on fout là ? Quoique. Réveillon. Attendez, montons. Ah. Ah, il y a bien cette espèce de cloître autour. Alors peut-être. Parce que dans mes souvenirs, c'est ça. Mais ça se trouve, je me fourvoie complètement. Ouais, non, ça me semble... Réveillon. Non, ça me semble pas être ça. Hein. Non, mais... C'est là où tout le monde a levé ses baguettes à la mort de Dumbledore. Y a un mood, hein. Suis le phénix, Nao, c'est femme sec, il te montre le chemin. Non mais j'en sais rien, c'est étrange. C'était pas le bon cloître en tout cas. Je suis en train de me perdre. Réveillon. Qu'est-ce qu'elle fout là? On n'en sait rien, voilà, la vérité, on sait pas. Là... C'était pas là du tout. Bon, regardons notre carte. Il y avait un cloître. Mais il y avait rien de ce à quoi on pouvait s'attendre. Non, mais ça se trouve, il est du côté de la tour de l'horloge. Hein. Là, il y a un autre cloître. Marrant parce que moi j'aurais vu Dumbledore ici, tu vois. Alors on sait que c'est la salle commune de Gryffondor. Il aurait pu être là. Dans l'aile d'astronomie. Sauf que c'est le cloître où on a fait le tour déjà. Ouais. Ah, il y a celui-là. Ah oui, il vit dans une tour, on est d'accord. Mais laquelle ? Je vais tenter ici. Parce que j'ai ce souvenir de cloître, mais je peux
peux me fourvoyer complet. Hein. Là, il y a un cloître. Ah ! Non. En plus, j'y suis venue tout à l'heure. Donc, en vrai, si ça avait été là, je m'en serais souvenu, non ? Aïe 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 aïe. Non, sinon ce que je propose, c'est qu'on fasse une connerie et que le directeur nous tombe sur le... nous convoque dans son bureau. Voilà, je pense que là, arrivé là. Réveillon. Le puits aux quatre créatures. Certains élèves pensent qu'un vœu prononcé au-dessus de ce puits, que ce soit près du sombral, du griffon, de la chimère ou de l'épogriffe, finit par se réaliser si la personne a réussi à gagner la confiance de l'une de ces quatre créatures. Oh, il faut faire un vœu à l'hippogriffe. Buck. Je souhaite qu'Ominis réalise à quel point je suis essentiel à sa vie. Et trouver le bureau du directeur accessoirement, merci. Réveillon. On est venu là et j'avais pas pris les trucs. Ah ouais. C'est tout moi, ça. Vous pensez que Beaubaton, c'est style château médiéval ou renaissance? Ah, c'est clairement renaissance. Ah, c'est les jardins de Lenôtre. C'est Versailles, hein, Beaubaton, je pense, plutôt. Ah ouais, 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 ouais. C'est la cour de Marie-Antoinette, Beaubaton, je pense. Je sais pas si ça a été documenté quelque part et si on peut... Quelqu'un l'a fait. Bon. Et si c'était là? Non, j'ai déjà passé cette cour, on a dit, non? L'aile du clocher. N'empêche que ça fait un cloître aussi à l'intérieur. Ah ah! Non, on n'est pas dans un cloître là. On est dans les égouts de Poudlard, ici, au niveau de l'odeur. Si vous sentez quelque chose, une sorte d'odeur infâme, par exemple, eh bien, sachez qu'elle ne provient pas de moi. Mais c'est quoi, alors, cette odeur? Passage puant, pourquoi il pue? Il y a quoi en dessous? Venez, on va voir. Nous aimerons personnellement à lui rapporter. Qu'est-ce qui pue? Survit, Révélion. Je pense qu'on pourrait avoir un Vaudelune comme responsable. À niveau 2, on peut ouvrir. Allô, Mora. C'est des serpentards, il pue. Non, mais il doit y avoir un lore sur ce passage puant. Mais je veux savoir. Mais on est où, là? Réveillon. On est dans la salle de thé des profs ou bien? On a une demi-guise, on va attendre la nuit. Mais on est où? Tu es à moi à présent, demi-guise. C'est la... C'est l'armoire de l'épouvantard? Réveillon. Le placard d'épouvantard, un vieux placard dont on raconte qu'il a autrefois contenu un puissant épouvantard. Il aura fallu 5 professeurs pour le repousser car il se transformait en loup-garou, en tornade, en haggis, en magyar, à pointe et même en belle-mère.
Ouais, on est dans un genre de salle des profs ici. Votre attention, m'a averti que plusieurs membres du personnel souhaitaient organiser une réunion conviviale. Je ne m'y opposerai pas et laisserai les personnes souhaitant fraterniser y participer, à condition que ces activités aient lieu hors des heures de cours et que les festivités ne perturbent pas ma concentration. Je serai probablement occupée à la date prévue, mais je déciderai de ma participation une fois l'invitation reçue. J'imagine bien que mon absence risquerait de gâcher l'événement. Ça, il s'appelle Phineas. Je viens de capter. D'accord. Oh merde. Bah, why not, hein. J'imagine bien que mon absence risquerait de gâcher l'événement. Une demi-heure devrait suffire pour ce dernier. Je préfère vous prévenir qu'aucune ambiance musicale ne sera tolérée. Phineas Nigellus Black, directeur. Aucun mets sucré ne sera servi de peur qu'il n'attire un rat ou un flaireur. Par ailleurs, essayez de limiter le nombre de convives à 4. Les profs, ils veulent se faire des petites... T'es parti, visiblement. Ok. Quel est le rapport avec le couloir puant, me direz-vous? Ne jamais oublier ce que cet élève pauvre souffle a dit en 1421. Cette pierre est magnifique. La grande classe. Mais qui me parle? Je crois que c'est la gargouille. C'est alors... horrible quand ils se mettent à poser des questions avec leur air sorti. Parle du truc? C'est là que ça nous éloigne du placard. Réveillon. Et si on va là? Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'on est déjà venu là. Mais oui, c'est les fontaines du début avec la statue qui regarde en l'air. Oh non, on a déjà fait ce cloître, mesdames et messieurs. Si étant, il y a une petite pièce ronde ici. Ah oui, mais c'est normal, c'est une salle d'arithmancie et je l'ai déjà ouvert. Oh! Une quête à rendre. Bonjour Nelly. En fait, j'ai pu trouver toutes les clés et j'ai ouvert le coffre de ma maison. Oh, belle-mère. Oh, formidable! Qu'as-tu trouvé? Bah regarde cette cape magnifique! Assez intéressant. Ce que je porte. Superbe! Merci beaucoup d'avoir percé ce mystère à jour pour moi. Je me suis toujours demandé à quoi mener ces clés. Et ben voilà! Ce qui nous porte, les quêtes annexes. Attendez, les quêtes annexes, ça veut dire que je vais forcément devoir réussir le Quidditch pour valider la quête annexe de l'autre, là. La folle des balais volants. De Serpentard. Oh mon dieu, je suis pas prête pour ça. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. J'imagine bien. Ah, la salle de métamorphose. En vrai, je crois pas avoir visité les quartiers du prof. J'aurais cru que quelqu'un de mon âge sauverait la vie de mon oncle. Ah, bonjour, professeur Weasley. Non, je viens pas pour mes buses. Je repars. Je repars, je reviendrai en temps voulu. Excusez-moi, c'est une erreur. Bon. Il est où ce fucking bureau du directeur? Envie de zoomer! Ah non, c'est l'inverse. Ah. 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 La salle de classe du professeur Fig, mais du coup, mais il est mort. Tour d'astronomie. Professeur Fig, la salle de sortilège du professeur Ronen. La métamorphose. L'aile du clocher. Et s'il était pas loin du grand escalier finalement? La cour centrale de Poudlard. Ben voilà!
le directeur au centre de toute l'attention, il doit être par là. Oh là, il y a du vent, c'est de la tempête. Mais pas du tout. Ah mais là aussi il y a la tempête, on est épargné nulle part. Ça se trouve je visualise un cloître mais en fait attendez. Non. Oh là 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 là. On est perdu hein. Je pense que là on peut partir du principe qu'on est perdu. Tu vas voir que je vais tomber dessus quand je le chercherai pas. Par contre, le climat est vachement réaliste. Mais comment on va chez le dit ? Non, c'est pas ça. On va passer ça dessus. Et je vais aller googler cette info, hein. Où se trouve l'entrée du directeur de Poudlard ? Je suis sûre que même si j'avais l'indication, j'arriverais à me tromper. J'aurai pas à l'avoir tout de suite. Parce que là, si je continue de errer dans Poudlard... On va pas s'en sortir, hein. Alors toi, tu dirais dans la tour centrale, mais on y est là, la tour centrale. Hein. La plus haute tour. C'est pas ça, déjà. Du grand escalier. Grand escalier. Question. Sauf que moi j'ai souvenir que la statue elle est en bas. Et je crois que si on monte au dernier étage. Putain, ça se trouve, c'est en intérieur alors que je cherchais ça en extérieur depuis tout à l'heure. Non, ce que j'aime bien, c'est que je tourne en rond là, peut-être. Alors non, pas encore. On monte encore! On monte au sommet! Oh, on va tout en haut. On va au max du haut de Poudlard. Non mais là... Là vous savez où on va? On va en cours de divination messieurs dames. Allô, Mora. J'en ai bien peur. Ah, mais je regarde, Mavy. Des gants. Oh, un lit. Professeur Ekat, comme prévu, j'ai échangé avec mes connaissances gobelines de chez Gringotts. Tous ont condamné les actes de Ranrock et certains m'ont confié en privé que ses motivations pourraient être bien différentes de ce qu'elles paraissent. D'après ce qu'on m'a dit sur le traitement qu'il réserve à ses congénères, ceux qui refusent de rejoindre ses fidèles, j'aurais tendance à croire ses sur-paroles, mes amis de la banque. Je vous tiendrai au courant
De toute découverte en attendant, mieux vaut rester vigilant avec tout mon respect. Et sop chat. On est dans la chambre des quatre. Réveillon. Cool. Elle a des tenues de mange-mort, mais tout va bien. Attends, mais c'est la foire au coffre ici. Waouh, le plafond par contre. On peut s'arrêter un instant sur cette beauté. Oh mon dieu. Et Kat, elle a des squelettes d'animaux dans sa piole. En même temps, défense contre les forces du mal, non? La Kat. Alors, je continue de monter parce que l'ascension est toujours possible. Non mais là, on est dans les quartiers des profs, non? Alors, c'est peut-être pas le bureau du proviseur, mais ça ressemble à un secret. Il faut une clé spéciale. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. Réveillons. J'ai trouvé le bureau de Dumbledore, mais y a pas sa statue à l'entrée. Oh. Ah, je peux, mais le niveau 3, je peux pas. Oula, mais c'est le balcon, hein? Mais what? Ils veulent prendre l'air. Oh là là, mais l'Omora niveau 3, c'est pour m'abattre. On va être obligé d'aller chercher de la 2015. Coucou! Le chapeau. Le pauvre, il est là, enfermé. Réveillon. En plus, j'ai déjà visité ça. Ça se trouve, c'est donc sa chambre ici. Ah là 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 là. Est-ce qu'il me manque beaucoup? Bonne question. Il en faut 13 pour avoir le numéro 3 et j'en ai dans mon inventaire. Ah, je pense qu'il m'en manque pas mal, ouais, je dois en avoir 2 ou 3. Hein. J'en ai 4, donc on est quand même assez loin du compte. Est-ce que j'ai forcément besoin du Halo Mora niveau 3. Réveillon. Alors. Portrait endormi, les directeurs et les directrices. Le truc, c'est qu'on peut rentrer. À la pièce. D'accord, il y a des coffres. Il y a l'air d'avoir comme 4... jetons. On cherche une clé.
il y a comme des bouts d'engrenage manquants aussi. Et ça se trouve, ceux-là, on peut les avoir que dans la pièce là-haut. Hein. À votre avis, ma théorie fonctionne ou pas ? Et je sais même pas comment on descend maintenant. Là. Il va tout explorer dans le bureau. Bah, il y a une porte fermée à l'Omora niveau 3. Que je peux pas ouvrir du coup. Donc si c'est ça, effectivement... Et ça m'en a tout l'air, il y a deux coffres. Le bureau est assez petit en définitive. Hein. Il y a un cadenas là-haut. What? Attendez. D'accord, mais comment ? La pancine. Revelio. Comment ça, je vois pas tout ? Ah bah je vois que là, il y a un truc, mais What ? Alors, à tous les coups, c'est Alomora niveau 3 aussi. Est-ce qu'il fallait que c'était justement par la porte de l'extérieur ? Ah oui, non, mais 100% c'est ça. Laissez tomber. C'est la porte de l'extérieur. C'est le cadenas de dehors que je vois. Révélio. Ouais. Et il faut Alomora niveau 3. Regardez. Je pense que c'est ce cadenas que je vois. Voilà. Il me permet de passer dans le reste du bureau. Donc, en définitive, pour percer ce dernier secret de Poudlard, il me faut Alomora niveau 3. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on aille chercher les demi-guises. Il est 11h30 déjà. Ok, bah on va aller chercher les demi-guises. Je veux percer le secret de Poudlard. Partira pas. Et ça c'est quoi alors défi verrouillé, hein, genre un truc qu'on n'a pas vu. Objectif pour moi, secret de Poudlard. Quête secondaire relationnelle. Ouais, les quêtes à 100%, mais ça va demander de réussir le c'est du raté, ça doit être les plateformes d'atterrissage. Ah oui, bien vu. Ouais, objectif, finir les quêtes annexes de relations et percer les secrets de Poudlard. Et franchement, ça sera une fin d'aventure pour moi, je pense. On passe nos buses et voilà. Parce que, bon, le combat, vraiment, flemme. Imagine, avec toutes les araignées qu'on a fait, j'ai même pas... Ça me dégoûte. Guide du sorcier, c'est quoi ? C'est les pages ? Oui, bon, ça se fait un petit peu naturellement, voilà. Et la salle sur demande, c'est sauver des créatures, améliorer mon équipement. Faire reproduire des créatures, ça m'intéresse pas trop. Voilà, moi c'est plus la partie lore et donc les quêtes. Et on va faire ça, je vous propose qu'on en choisisse une. Genre... Alors il y a la meuf et la licorne là. Oh, mais on va dans la forêt interdite.
Non, on va aller faire le mec avec les betteraves à la place des pieds. On va ramener ça. Voilà, on va faire ça. C'est très bien, c'est une excellente idée, excellente initiative, je trouve. Alors du coup, c'est carte du monde, hein, je pense. Et au passage, ben, si on fait des, s'il y a des épreuves de Merlin, on les fait. On cherche les secrets dans les petits hameaux et dans les... Une page, par exemple, tu vois, on essaye de la ramasser si on la trouve. Les épreuves de Merlin, on veut bien faire. Les araignées, on va pas dedans. Voilà. On va aller prendre la poudre de cheminette, voir si... Là, il y a une statue de Demigis qui traîne à Bourgarenne. On va essayer de la trouver, par exemple. Voilà, donc on va prendre la poudre de cheminette ici. Oui, au final, sur la partie histoire, à proprement parler, 80%, c'est pas mal. Si je m'arrête à la partie vraiment pourcentage de l'histoire. Ah, c'est des araignées en bas. Mais heureusement, on a le mode arachnophobe. Yes, yes. Alors après, normalement, il y a une poudre de cheminette du coup que je n'ai absolument pas ramassée. Ah, c'est à 500 mètres d'ici, on a le temps. Hein. Une épreuve de Merlin, voilà, on s'arrête. C'est sur la route. Voyons quelle tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon caillou est invisible. Alors qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose les papillons de lumière. J'ai cru que c'était des moutons en feu, mais c'est juste qu'ils sont sur des nids de serpents cendres. Le mec, il veut vraiment s'emmerder. Merlin ! Ah bah de fou, hein ! Franchement... Ah. Lumos. Mais viens là, toi. Ok, il y en a un autre là. Si, c'est une musique, comment elle s'appelait? Cindy, non? Pas ça? Papillon de lumière sous les projecteurs. Ah, mais dites-vous qu'on a consommé ça. Finalement, on juge TikTok, tout ça, mais... on consommait de la merde aussi, hein. Franchement, nous on avait la ferme célébrité, je sais pas si on peut vraiment fanfaronner, tu vois, sur la qualité du contenu qu'on a consommé, quoi. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Ah bah Merlin, il est fier, Merlin, ouais. Boum! Si avec tout ça, j'ai pas mes buses. Je garde ma baguette en l'air. C'est donc ça le hameau de Bourg-la-Garenne. Ah, y a l'air d'avoir des quêtes aussi. Rébellion. On était au début, il fallait bien qu'on fasse des erreurs. Merlin, vous êtes professeur des élèves, ils vont vous attendre. Ah bon, depuis quand? 3 semaines qu'ils vous ont pas vu quand même, hein. 3 semaines, ça fait beau, ça commence à faire. Alors, il y a encore une épreuve de Merlin. Il n'y a pas eu quelqu'un d'aussi horrible que Barnabas de Grille de Cœur. Coucou, Targe. Qu'est-ce que... C'est marrant, je ne vois rien. Rébellion. Je vois des ballons à exploser, ça me tente un peu. Mais pas de... Bah alors Merlin, quelle pouvait donc être cette épreuve?
un endroit très agréable. Si vous les croisez, n'hésitez pas à saluer. Je l'ai même pas écouté. Ah, il y a une boule à faire tomber. Suivre la pente. Tu sais, Naosar, c'est un pro de Sea of Thieves aussi. Oui, j'ai vu ça sur le Discord. Après, je dois d'abord finir... Mon dieu, j'ai tellement de choses à faire. Non mais Axio, alors qu'on veut, on va la pousser surtout, ouais. Voilà. Ça passe sans encombre, hein. Ça va tout seul, droit devant. C'est absolument maîtrisé. Ah, ça se prend un arbre quand même. Et boum! Et voilà. Ouais, j'allais dire Monkey Island, quoi. Bah oui. Ah, j'ai plus que 50. Quelle angoisse. Alors. Puisqu'on rentre toujours dans les maisons comme dans un moulin. Hop. Voilà. Ici, il y a une quête pour nous. Bonjour. Auriez-vous le temps de m'aider pour une livraison urgente? Mais bien sûr. Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Oh, il joue avec un petit balai derrière. Moi, c'est Eddie Thistlewood. Mon cher ami qui habite Feldcroft ne supporte plus les attaques incessantes de Ranrock et de ses fidèles. Ah mais on vous a pas prévenu. J'ai envoyé deux caisses de Ranrock et de Chine et c'est fini, hein. Mais elles ont disparu en chemin. Vous avez envoyé des choux combattre des gobelins? Vous avez envoyé des choux combattre regardez des fidèles. Regardez avec son mini balai derrière Promims. Vous voyez, je connais bien les plantes. Et je pense que les gobelins seront si agacés de se faire attaquer par ces végétaux féroces qu'ils finiront par laisser Feldcroft en paix. Personne lui a dit que j'étais passé faire le ménage. Peut-être retrouver la trace de ces deux caisses et les livrer à mon ami Bernard Ndiaye. Je ne peux malheureusement pas quitter ma boutique pour le moment. Pas de soucis. Très bien, monsieur. Je vais tenter de trouver ces deux caisses de choux mordeurs de Chine. Ah, merci. Je vais dire à Bernard qu'il va peut-être recevoir ses choux, finalement. Qu'est-ce que je peux lui acheter? Est-ce que je peux lui acheter de la mauve douce? Et je vais vendre tous ces trucs aussi qui me servent à rien. Je suis convaincu que Feldcroft serait bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs de Chine. On dirait que Feldcroft est en péril. Je devrais peut-être essayer d'aider. Ça va m'être utile. Bah, je vends tout ça parce que ça me sert pas du tout, hein. Je libère de la place dans mon inventaire, voyez-vous. Et je me fais de la thune. Chou en péril. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Chou disparu. Il y a des vaches et les gens prennent le thé à côté des vaches. L'endroit semble être assez... Réveillon. Nous allons... Un lapin. C'est Disneyland ici ou quoi? J'adore voir les gens sortir en trompe de la fête de sanglier quand ils réalisent que Pratt est de retour. Oh, je travaille. Qu'est-ce que c'est que ça? Je travaille à ne pas travailler. J'adore. Un concept de vie, c'est des poufsouffles ici, je serais pas étonnée, hein. Entre tous les animaux. Réveillio. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cacahuètes, j'espère. Oui.
Ouais, on est sur de 720p, mais par contre, voilà, comme on est chez Bouygues, bah, on a quand même eu le crash de changement de... Je sais pas ce qui change. Mais ça, on peut... On peut pas y couper, malheureusement, quoi. Hein, c'est... Bon. C'est pas là-dedans qu'il y avait la... Ah, une demi-guise ! Ah, oh, il faut attendre. Ah, il raté. Salut, Sylmae ! GG à toi, level up niveau 8. Merci infiniment pour le sub. GG à toi, level up niveau 5. Et bonjour, le retour de la Bretagne. Merci beaucoup pour le soutien. C'est adorable. Est-ce que j'attendais ? Oui, la nuit. Et une demi-guise, une. Tu es à moi à présent, demi-guise. Aha, notre objectif. Allô, Mora niveau 3. Oh. Mais vous allez vous coucher? J'imagine qu'il y a des risques que le troll qui vit dans ce tunnel fasse dérailler le train. Peut-on être plus stupide que ce troll qui s'est installé dans un tunnel ferroviaire? Ça gêne personne que j'ai attendu dans leur maison, tu sais, que la nuit, ils se sont installés dans leur lit tranquillement. Réveillon. Hop, et moi j'en profite pour vraiment vider le potager. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans cette grange? Pourquoi il y a une quête qu'on peut soulever, genre? Ah, parce qu'elle bloque un passage secret? Action! Wingardium Leviosa! Action! Wingardium Leviosa! Vas-y, je sais pas à quoi elle sert. Elle tombe en plus. J'aurais dû faire les vieux sauts pour qu'elle reste en l'air, ceci étant. Revelio. Attendez. Niveau 2, on peut ouvrir. Allô, Omora. Ce jeu me filme en vol chez les gens dans Shenzo. Ça, c'est vraiment bizarre pour le coup. Ah, on a le message de Steel Mike maintenant. On a un peu de latence. Objet pour ensemble non identifié. Ta sœur pour toujours, bah oui. En flemme de lire le courrier des gens. Revelio. La page n'est pas là, la page serait sur le toit. Il y a un coffre là-haut. Oui, là-haut, c'est à ça que sert la caisse en fait. Ce bois qui a été complètement calciné ici. Action. Les vieux sauts. Je sais pas si je peux sauter de là. Ça me paraît un peu long. Ah si. Waouh, super pour un manche de baguette. En tout cas, il y a une page aussi par là, censément. Réveillons.
Là! Dans le potager! Cet épouvantail a l'air expiègle, a été enchanté il y a fort longtemps afin de surveiller le jardin et éloigner les corbeaux. Malheureusement, il se contente désormais d'embêter les jardiniers en les insultant pendant qu'ils travaillent. C'est pas gentil ça! Ouais, c'est quoi ton problème? On n'insulte pas les gens, on a dit! Tu te calmes, hein! Halloween! Ok, la page, c'est fait. Que nous dit notre carte? Ça nous dit que la statue de Demi-Guise, elle est faite, la page aussi, il nous manque un coffre. Et surtout, il y a une quête encore à lancer. Une quête ici. Bienvenue, bienvenue. Si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas. Sois forte, Alexandra. Bonjour, Alexandra. Est-ce que... Ta tenue est pas mal. Tout va bien ? Si les habitants du hameau t'ont demandé de venir me parler de... Je sais ce qu'il me reste à faire. Je n'ai rien compris à ce qu'elle me raconte. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit abattre son propre troll. Je devrais avoir un délai pour le faire. Comment ça, elle élève votre un troll. Propre troll? Je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Désolée. Ah. Quand on passe beaucoup de temps avec les trolls, on oublie les bonnes manières. Elle est éleveuse de trolls. Je ne voulais pas être impolie. Et avec la bande de Ranrock dans les parages, je pensais que le hameau pourrait bénéficier de défenses supplémentaires. Mais ça a mal tourné. Je me suis excusée quand il a failli piétiner la moitié du hameau hier. Il a simplement besoin de plus de temps. Elle nous fait une agride avec son... Ils me prennent pour une folle géant. À vouloir élever un troll. Ils pensent que c'est impossible. Ça doit demander du courage. Il doit falloir beaucoup de courage pour essayer, je vous l'accorde. Merci. Ça fait plaisir à entendre. J'aurais aimé que les autres pensent pareil. Mais je comprends aussi leur inquiétude. Pourquoi ai-je pensé pouvoir le dresser? J'aurais dû faire plus attention à l'histoire de Barnabas le Follet. Mais c'est mon troll et mon troll, problème. Ma responsabilité. J'adore honnête, trop la petite sangle qu'elle a sur la cuisse. J'ai peur de ne pas être capable de m'occuper de lui. Il est plus fort que un tous les trolls Chris. Que j'ai rencontrés. Avec la si même. Seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. Faire quoi? Donc là, je vais aller tuer un troll. Je ne suis pas très enthousiaste, mais je vais y réfléchir. Oh non! Je n'étais pas en train de suggérer que tu t'en occupes. D'ailleurs, tu devrais éviter la zone au sud-ouest d'ici. Du moins jusqu'à ce que je trouve le courage de faire le nécessaire. Oui, résultat, nous allons aller abattre son troll. Très bien. Son troll de compagnie. Aller au repère du troll, ça me semble être une excellente idée. Un troll en liberté près d'un hameau. Les choses pourraient mal tourner. Il manque un coffre, est-ce que c'est celui-là? Une bibliothèque pour mon havresac, bien sûr. Une épreuve de Marlin Ballon, quoi, il y a un dé. Ou alors c'est pour ouvrir une grotte secrète. Aha ! Boum. Je suis pas du tout au bon endroit, tu sais, mais vas-y. Heureusement que j'avais dit que je faisais pas les ballons. Oh, mais ce serait pas une épreuve de Merlin, là ? Allez. Que me réserves-tu cette fois ? Ça me fume, hein, j'ai l'attention... l'attention d'un chiot. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie encore ? C'est nouveau ? Il faut que je monte là-dessus. Raté, c'est du saut en hauteur qu'il faut faire.
Est-ce que je peux monter avec mon balai? Auquel cas, bah ton saut en hauteur, tu vois ce que j'en fais. Voilà. Mais c'est ça, il faut marcher dessus, hein. Oh mais je rêve. Ce n'était pas si compliqué finalement, Merlin. Merlin avait oublié que j'avais passé mon permis balai volant, bien sûr. Pas grave. Merlin, un peu con parfois. Je vous jure, c'est pas du tout la direction où je suis censée aller, mais j'ai vu ce ballon, quoi. On est dans la cohérence, hein. On est toujours dans le hameau. Voilà, on va aller au repère du troll. Est-ce que du coup on est bon sur la carte en ce qui concerne les coffres et les machins? Franchement, Bourgaren, c'est absolument validé. On va aller lui abattre le troll. Ouais, mardi, c'est crèche toute la journée. Après, comme je restream ce soir, je vais pas rester trop au-delà de midi. Je pense qu'on va faire son troll. Histoire d'avoir un petit combat, parce qu'on n'a pas combattu aujourd'hui. J'imagine que tu es l'ami d'Alexandra. Attendez, je vais changer mes sorts. Oh putain! Mettre des sorts un peu qui fracassent là, genre ça. Et ça peut-être. Un petit Glacius à la place. Non, je sais pas s'il y a moyen, j'ai pas l'impression que je puisse désactiver ce que j'ai déjà fait. Bloqué dans l'arbre. Après le dragon Ranrock, franchement, ça devrait être une promenade de santé, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment que j'étais pixel. Apparemment non.
Tu peux pas nous lancer un caillou? Ah. C'est bien les cailloux quand je les rattrape, par contre. Elle est assommée là un peu. Oh là là. C'est une promenade de santé, mais voilà quoi. Ah là, je révise pour mes buses. Si après ça, on n'a pas nos buses, je comprends pas. Hein. Pour Alexandra, mais il fallait protéger le hameau de ce troll. On va pouvoir retourner la voir et lui dire j'ai eu ton troll, j'ai eu ton troll, Alexandra. Qu'est-ce que c'est cet animal là près de nous? Mince. Ah, il y a un truc là. Un repère de flaireur. Évidemment, on n'ira pas là du tout. C'est évident. Le perchoir doré. Un ancien refuge abandonné. Hein ? Coffre au trésor. Non, c'est dommage que ça se marque pas qu'on l'a fait. Pas genre que le hameau n'est pas de... ne soit pas visuellement complétionné, tu vois ce que je veux dire ? On a ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser dedans pourtant. Voilà, Alexandra. Ah merde, excuse-moi, je marche sur ton elfe de maison qui fait tourner du truc. C'est fait, Alexandra. Je me suis chargée de lui. De lui? De mon troll? Oh, je ne sais pas comment réagir. Merci. C'était J'aurais une très mauvaise idée. Différemment pour lui. D'élever un troll. Votre projet était voué à l'échec. Tous vos projets visant à le dompter étaient totalement vains. Il ne pensait qu'à tuer. Juste ciel. Je suis contente que tu n'aies rien. Tu es si téméraire. Ce que je dis, elle s'en fout un peu. J'aurais un surnom pour la personne qui finirait par vaincre mon le troll. Quelque chose de troll ou des trolls, il me semble. Pourfendeuse de troll. Pourfendeuse ? Oui, c'est ça. J'imagine que ce titre te revient. Ça me va bien, pourfendeuse de troll. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Mais merci infiniment pour ce que tu as fait. Ok. La pourfendeuse de troll. Ça sonne bien. 13 sur 32. Midi 1. Est-ce qu'on va aider vite fait quand même à la base Moi, ça m'intrigue ce truc abandonné là. Là, je peux voir quand même en passant dessus. Heureusement, j'ai tout. Là, j'ai pas toutes les demi-guises par exemple. Il y a plein d'endroits qu'on a pas fait au final. Hein. Coffre au trésor. Ouais, il y a plein de petits secrets, il y a des tables d'astronomie. Là, tu vois, là, c'est marqué complété. Le camp de bandits. Je comprends pas pourquoi la ville, il y a pas ça non plus. Au moins, ça aurait été beaucoup plus visuel.
On va aller voir le mec et ses pieds de betterave là. Il faut que j'aille dans le caveau, remettre le blason, je sais pas quoi. Parce que on nous a demandé ça en début de... d'épisode. Vas-y, je me sens l'âme charitable. Ça s'appelle mauvais sort végétal. On l'a pas oublié, on cherchait le bureau du directeur. Qu'on a fini par trouver. Donc au final, le progrès est réel. Et mine de rien, j'ai fait le secret de l'horloge aussi. Non, oui, on a passé beaucoup de temps à se perdre dans le château, c'est évident. Mais... Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. On a aussi... Oh non, me dites pas qu'il y a des araignées. On a aussi avancé sur des trucs. Oh là là, ça pue. Quelle idée de merde. Bon, vas-y, on y va. Oh les cœurs. Oh, des grosses toiles d'araignées. Non. Mes pieds ne se sont pas transformés en betteraves. C'est un bon début. Je réveille au cas où. Réveille. Pas d'ennemis pour le moment. Ok, un truc à péter. Bombarde. Réveille. Franchement, ça va, pas d'araignée pour l'instant. Il y a un troll. Non mais c'est la fête du troll ce soir, enfin aujourd'hui ou quoi. Il y a un ratus, regardez comme il est joli. Il reste là, il attend. Il était pris dans le fil du diable, je pense. Coucou. Il est parti. Un troll ? C'est une blague ! Mais quelle surprise ! Vraiment, on s'y attendait pas ! Bombarda ! Confringo ! Vingle ! Par contre, j'avoue, j'ai pas repris de potion de Vingle-Vet depuis quoi. C'est le souci. Il a l'air plus lent que l'autre. D'ailleurs, je pourrais protégo à chaque fois, lui, j'ai l'impression. Why not? Il est plus BL. Tu vois? C'est pas le même troll. Coucou Etia! C'est pas... C'est parce qu'il y avait le ratus. Regarde, hop là, boum! Les ratus appellent les ratus. Tu vois, lui, il est moins... Il est moins pénible. Pas besoin de courir en fait, pas besoin de rouler, on peut rester là. Moi je vous dis, je suis prête pour mes buses là. Alors, ça marche si je suis un peu pixel. Là j'ai peut-être lancé mon protégo un peu trop tôt. Ou un peu trop tard. Bam! Ouais, j'essaye un peu de ramasser les bulles. Ouais, c'est génial. Vas-y. Oh, il est pas effrayant celui-là. C'était histoire de me faire mentir. Voilà. Bon, on m'avait garanti une promenade de santé. Pour l'instant, c'est le cas. Je dois dire.
sarcophage. Incroyable. Un sarcophage. Sûrement celui de Marmaduke. Non, sans rire. Marmaduke. Faites voir à quoi il ressemble. Encore un sorcier à barbe. Avec un peu de chance, cela devrait briser le maléfice. Ah, ils ressemblent tout... ils ressemblent tous à Merlin pour moi. Réveillez-vous. Pas de suspense. Cool, on va pouvoir retourner voir Samantha. Vous m'envoyez ravi. Donc là, ça veut dire que ça y est, son frère, il a plus les petits trolls, on est d'accord, hein. Pourquoi j'ai une musique qui fait peur à pas faire ça, hein. C'est mes pieds qui vont changer en betterave. Bombarda. Réveillio. J'avais pas vérifié avant de sauter là-dedans, si étant. Bombarda. Oh, une étagère pour équipement de Quidditch. Moi, ouais, je sais, mais c'est ma journée geekage. Confingo. Vous savez quand le bébé va toute la journée à la crèche? Bah, c'est aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'on est sur la bonne route là? Ah oui, oui. J'aurais oui. dû me douter qu'un botaniste utiliserait un filet du diable. Oui, alors on va pas jouer pendant 23 heures. Effectivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui aller. On lui annonce la bonne nouvelle. Samantha sera ravie d'apprendre que le blason a été rapporté. J'espère que ça dissipera ouais, le mauvais sort. Salut les Kiki, comment ça va? Ça roule? Ça roule. Ouais, on va faire ça, on va prévenir Samantha. Elle est où Samantha? Elle est à Poudlard. Zut, ça m'a l'air d'être à Poudlard. Hein. Là, boum, on va lui dire la bonne nouvelle et c'est good. 23h, parce qu'en fait, l'alarme est faite pour midi quand je dois partir à midi. Mais le mardi et le vendredi, PPC va à la crèche toute la journée. Donc je me permets de... Elle sniffe les fougères, cette fille ne va pas bien. Vraisemblablement, elle a quelques problèmes dans sa vie. C'est peut-être elle qu'on aurait nouvelle. Dû enfermer J'ai à Saint-Mangouste. J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte-Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves. Poule. Oh, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. J'ai failli être tuée par un troll. Non, j'ai trop géré, donc rien de bien méchant en vrai, je me la pète un peu, excusez-moi. Juste un misérable troll. Pas grand-chose. Un troll? Oh, c'est affreux! Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Mais je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. On peut le dire. Bon, je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant qu'il a retrouvé ses pieds. Ben oui, tu m'étonnes! Je le serai aussi. William et moi te serons éternellement reconnaissants. Eh ben parfait. Merci du encore coup, ça nous pour fait... ce que tu as fait. 13 sur 32 si je ne m'abuse. 14 sur 32. Non, mais en fait, j'ai même pas fait la moitié des quêtes secondaires. Trop bien, on a encore quelques sessions au Hogwarts Legacy, tranquille. Hein. Est-ce qu'à votre avis, la quête de Weasley rentre dans ces quêtes secondaires-là? Pas sûr, parce que ça a l'air d'être un truc à part. Donc je pense que c'est vraiment... C'est vraiment les trucs noirs. Pour le coup. Coucou Neko, oui, merci, je suis de retour. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin. Parce que ce soir, on est en live.
Ce soir on restream, on est en OP sur Guild Wars, donc je serai entourée de professionnels du jeu Guild Wars. Et comme ça j'ai mon après-midi parce que j'ai pas mal de trucs, vous savez le premier du mois c'est un peu le moment où je fais toutes mes déclarations, les papiers, les machins, et avec pas internet, j'ai pas pu le faire. Donc il faut que je paye la nounou par exemple, que je paye la crèche, il faut que je paye... que je fasse mes déclarations à l'URSSAF, des trucs comme ça, donc... J'ai profité du retour d'internet pour faire ça, et que le petit soit à la crèche toute la journée pour le faire, il faudrait aussi que je fasse des courses, bref. Ouais, que du plaisir, hein, vraiment, du plaisir.